Jennifer taillée par un ancien talent de The Voices jeudi 5 juillet, M6 diffusait l'édition 2018 du Marrakech du Rire. Un événement auquel Camille Lelouch était conviée. Celle qui manie aussi bien l'humour que le chant s'est servie de son expérience dans The Voice, égratignant, au passage, la coach Jennifer, pour faire rire le public. Créé en 2011 par Jamel Debbouze, le Festival du Marrakech du Rire réunit les plus grands humoristes du moment lors d'un show exceptionnel. Cette année, Jeff Panaclock, Kev Adams mais aussi Ahmed Silla et Camille Lelouch étaient de la partie. Celle qui officie, depuis septembre 2017, dans Quotidien avec sa facecam, une pastille humoristique, a choisi de faire le show en racontant au public de la Ville Rouge une expérience personnelle, sa participation à la quatrième saison de The Voice, en 2015, dans le cadre de laquelle elle a terminé en demi-finale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'y est pas allée de main morte avec l'ancienne coach du télécrochet Jennifer. Comme vous savez, dans The Voice, ça commence toujours par les auditions à l'aveugle et moi, mon plus grand rêve, c'était que des piliers de la chanson française, comme Zazie et Florent Pagny se retournent, a débuté la jeune femme de 32 ans. Et de poursuivre, je commence à chanter et c'est Jennifer, une déception avec laquelle Camille Lelouch a décidé de jouer, je la regarde et je lui dis, non, retourne-toi et appelle Zazie. Si le public a apprécié la blague, pas sûr qu'il en soit de même pour la principale intéressée, qui a aujourd'hui rejoint le fauteuil rouge de The Voice Kids. Crédit photo, Rachid Bellakar. Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail. Recevoir veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site, Jennifer Bartoli.